Bonsoir, avec effectivement Raphaël Ibanez. Et on parlait de cette victoire bonifiée qui pouvait éventuellement emmener les Bordelais dans les marges de Coupe d'Europe. C'était, vous nous l'aviez dit, un rêve. Mais il ne fallait surtout pas galvauder ce match. Il fallait déjà gagner. On va voir avec vous, Raphaël, le résumé de ce match. Vous l'avez bien entamé parce que vous marquez tout de suite les premiers points après une minute en prenant une pénalité avec Pierre Bernard. Et puis après cette passe au pied de Bernard pour le premier essai qui sera validé à la vidéo avec un jeune Lonca. Il y avait beaucoup de Français, que des Français même, dans cette ligne de trois quarts au départ. Vous avez pris une bonne entame, même si derrière les Biarros vont prendre les commandes. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment que ce match tournait mal et qu'à l'arrivée la série de trois défaites que vous aviez connues allait se continuer? Ça aurait pu arriver, en effet. C'est vrai qu'il faut saluer l'esprit entreprenant, joueur des Biarros, qui ont été capables aussi de prendre des risques à certains moments du match. Et je pense que le mérite des joueurs de l'UBB, c'est d'avoir fait preuve aussi de discipline, d'avoir été un peu plus structuré dans la deuxième partie de la rencontre. Ah oui, parce que le premier quart d'heure, en fait, hein, on voit des Biarros qui tentent des choses, qui vont même réussir à marquer un premier essai avec cette longue action, ce ballon contrôlé du pied par Teddy Thomas qui vient aplatir, permettre au Biarros de revenir à 8 à 7 avec la transformation de Benoît Babi qui jouait à l'ouverture aujourd'hui pour Biarritz. Et on vous voit un petit peu agacé parce qu'ils vont même, les Biarros, parvenir à passer devant à la 21e minute avec un essai de Lesgourgues. Tiens, Lesgourgues qui jouera avec vous la saison prochaine. Et puis petit à petit quand même cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui a réussi à revenir dans ce match, surtout à mettre la main sur le ballon. On a senti quand même que tout ce que vous aviez montré cette saison était bien installé, à savoir cette capacité à bien porter le ballon, à bien le contrôler, à peser de plus en plus sur la défense adverse et derrière à bénéficier même parfois sur des ballons un petit peu rendus, mais avec une ligne de trois quarts qui fait la différence, comme cet essai de Le Bourris. Vous allez en marquer trois des essais dans la foulée dans cette première mi-temps. Oui, c'est une très belle fête de terminer ainsi à Chabat en Delmas avec ce formidable public. Les joueurs avaient à cœur réellement d'être entreprenants, d'être dans l'avancée. Et c'est ce qu'on a fait aussi en seconde mi-temps avec des avants qui sont montrés conquérants. Donc ça, c'est un signe très très positif. Voilà, alors, c'est un gros état d'esprit. On a vu l'essai de Le Bourris à la 27e minute. Deux minutes après, les avants, vous en parliez avec Marais qui vient renverser trois Biarros pour aller aplatir l'essai qui va porter la marque à 25 à 17 en faveur des Bordelais. Et puis on revoit la Marais qui emporte avec lui la défense de Biarritz. Quelques instants après, sous les yeux de Vincent Etcheto, quasiment la même action avec une pénalité jouée très rapidement par Eni Adams et ce ballon qui va être récupéré cette fois-ci par Bruce qui vient aplatir pour porter la marque à 32 à 17. Ça fait à ce moment-là 4 essais à 2. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est votre discours dans le vestiaire à la mi-temps, il faut penser maintenant au bonus offensif? Je pense que les joueurs l'avaient en tête dès le début de la rencontre, mais c'est vrai que le danger aurait été de trop se précipiter. Il a fallu retrouver un peu plus d'assise en seconde mi-temps, faire des choses simples pour ensuite débloquer les situations. Alors vous en sortez bien parce qu'il y a un essai refusé au Biarros en fin de première période, un refusé à l'entame de la seconde période. On a vu sous les yeux de Dimitri Yachvili, Emmanuel Arinordoki qui avait fait le déplacement même s'il ne jouait pas aujourd'hui. On a vu rentrer Damien Traille qui ne peut pas empêcher ici Eni Adams d'aller marquer enfin ce bonus offensif pour mener 39 à 20. Bon, la seconde période à partir de ce moment-là était un petit peu plus confuse dans la mesure où les Biarros n'avaient plus rien à gagner. Vous aviez fait ce qu'il fallait avec un bonus qui va être conforté avec l'essai de Fakate accordé à la vidéo. Et puis dans la foulée, vous allez faire rentrer votre arme fatale, Taleboula, qu'on avait laissé à 13 essais. On va voir les deux essais marqués par Taleboula. Taleboula, c'est aussi le signe d'une équipe de Bordeaux qui parvient même à sortir des stars. C'est comme ça que vous m'en parliez tout à l'heure avant le début du match. Mais on réfléchit en équipe, hein. Ce qui compte pour l'encadrement technique et pour moi en particulier, c'est faire en sorte que tous les joueurs se donnent sur le terrain, sans statut particulier. Matt était un peu en dedans depuis quelques matchs et il a eu une très très belle réponse avec deux essais en fin de match dont il a le secret. Et ça, c'est aussi très bon pour la suite. Oui, le management de Raphaël Ibanez qui a un petit peu piqué son ailier fidjien et on vous laisse pour le plaisir le dernier essai, le huitième essai marqué par les Girondins avec la passe au pied. Et regardez Taleboula. On pense que le ballon va sortir et qu'il plonge au dernier moment à la 80e minute. Un essai qui sera accordé à la vidéo pour une victoire finale 54 à 20 ici à Chaban-Delmas. C'était aussi l'opportunité de montrer que les délocalisations, mais ce ne sont pas des délocalisations, c'est quasiment maintenant votre maison Chaban-Delmas. Ça va continuer, ça fonctionne très très bien. Il y avait 30 000 spectateurs aujourd'hui. Exceptionnel, cette ambiance, elle est magique pour les joueurs. Ça leur permet de se transcender. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, dès le premier match,
je leur ai demandé d'être à fond et ensuite, à partir du mois de janvier, si on avait une petite chance modeste de bousculer la hiérarchie, d'accélérer. Alors vous imaginez, on les a pas ménagés les types. Donc ce soir, ils méritaient vraiment de prendre du plaisir. Ils ont pris du plaisir, ils ont fait du plaisir, plaisir au public. Dernière question. Finalement, même si vous êtes huitième, c'est une belle saison pour l'Union Bègles-Bordeaux. Il faut être digne. Je crois qu'on peut être. Les joueurs peuvent être fiers aussi de leur parcours. Ils ont beaucoup donné, ils ont été très courageux tout au long de la saison, avec leurs moyens, avec une somme de charge de travail assez, assez énorme. Donc moi je veux les saluer, les féliciter. Et puis c'est vrai que j'aime pas ce qui est vraiment écrit d'avance, mais forcément on le voit. Il y a une certaine logique aussi dans le classement. Voilà, est-ce qu'on est réellement à notre niveau? Je ne sais pas, ça repart à zéro la saison prochaine, mais en même temps, on a acquis beaucoup, beaucoup d'expérience et les joueurs ont été extraordinaires. Voilà ce que j'ai à dire. Et puis, maintenant, il y a les vacances.